Yes, the script is written, and there is a greater destiny and also a destiny to the path that you will seem to take. Et donc oui, le scénario est écrit et il y a un plus grand destin et aussi un destin pour le chemin que vous allez sembler emprunter. The reason that psychics can sometimes read the future with great accuracy is because they're reading the past. Parfois, la raison pour laquelle les médiums ont tant de possibilités, facilités à lire le futur, c'est parce que le futur, en fait, c'est le passé. Yeah. And all of the script is past. It's just that through the trick of the ego, it seems like there is some of the script that is yet to come. Et tout le scénario, c'est le passé, en fait. Mais il semble qu'à cause du piège de l'ego, il semble qu'il y a encore une partie qui soit à venir. And so, within the noodle, within linear time, some of the patterns will seem to repeat, but as you practice miracles, they seem to be softer and lighter and lighter. Et donc, dans la nouille, donc dans le spaghetti, il semble qu'il y ait des choses qui soient récurrentes, donc des schémas répétitifs, mais avec le pardon, ça va devenir de plus en plus léger, en fait. Recently, when I was in Ireland, we watched a movie called The Jacket. Récemment, quand j'étais en Irlande, on a vu un film qui s'appelle La Veste, ou The Jacket. That Steven Soderbergh and George Clooney produced. Steven Soderbergh and George Clooney ont produit. Yeah, you might remember them from Solaris too. They were both, they collaborated on Solaris as well. Ils ont aussi collaboré pour le film Solaris. And so this man would, as a mental psychological treatment, was put in a straitjacket and slipped into a morgue. Et donc, in a basement. Cet homme était dans une treatment. It's part of the mental treatment. He was put in a straitjacket and slipped into a morgue-like room. En faisant partie de son traitement mental, il a été mis dans une camisole et il a été emmené dans une morgue. And he had all these memories come flashing as soon as he would go in. Into the drawer, he would have all these memories flashing of his lifetime. Et alors qu'il était mis dans le tiroir, il a commencé à avoir plein de souvenirs de sa vie qui ont commencé à lui flasher dans l'esprit. Of different times in his life. Différents moments dans sa vie. The future, like of a future life. Une vie future. And yet, throughout the movie, he seemed to go through a forgiveness process. Where his perception got lighter and lighter. Et au travers du film, il a semblé passer à travers un processus de pardon où sa perception est devenue de plus en plus légère. Until at the very end, the last scene was of him perceiving himself in the future, more than in the distant future, with this blazing light. Just everything going to light. Jusqu'à ce que cette scène du film où il se voyait dans une scène future où il était dans une lumière rayonnante. So, only through the ego does time seem to move from past to future. Donc uniquement dans le système de pensée de l'ego que le temps peut bouger du passé vers le futur. And as you train your mind to listen to the Holy Spirit, you loosen from this perspective on things to approach a simultaneous perception. Et donc alors que vous travaillez de plus en plus avec le Saint-Esprit, vous avancez davantage vers une perception simultanée. And that's the point. That's where the noodle is turned to the point. Et c'est le point, c'est là où la nouille, donc la longue barre, est retournée vers le point. And that's also the quantum field we talk about, or the forgiven world. C'est aussi le champ quantique dont on parle, ou le monde pardonné, comme on en parle dans le cours. Because to the Holy Spirit, time is simultaneous. Parce que pour le Saint-Esprit, le temps est simultané. So the noodle is completely undone. Donc la nouille est tout à fait défaite.
But it seems disorienting and disjunctive, and you might say even a bit disturbing as you're going through the translation. Mais ça semble être très désorientant et perturbant alors que vous passez à travers justement cette retraduction. Which is really what that movie was about. C'est vraiment ce dont parlait ce film. He was disturbed as long as he tried to figure it out, but when he just at the end, it was very, very beautiful. Il était très perturbé alors qu'il essayait vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passait, mais quand il a complètement lâché en fait, quand il s'est rendu, il s'est laissé aller. Yeah. So in traditional psychotherapy, the therapist will help look for something in the past. The past memories that was a trigger, but I'll just stop there. Donc en psychothérapie, le thérapeute va chercher pour les mémoires, les souvenirs du passé qui semblaient être le problème de ce qui se passe. But we begin to see that our state of mind is based on a present decision. Et on commence à voir que notre état d'esprit est vraiment basé sur une décision présente. And we practice with that present decision. Et on pratique avec cette décision présente. So, this is very empowering the deeper you get into it because you realize that you cannot figure anything about linear time. You cannot figure it out. Et donc, ça me donne beaucoup de pouvoir parce que vous vous rendez compte que il y a rien dans le monde qu'on peut vraiment comprendre. And in traditional psychotherapy, it was always about dream analysis. En psychothérapie, c'était très souvent à propos de l'analyse de rêve. But you could say A Course in Miracles is more synonymous with lucid dreaming. Et on peut dire que le cours en miracle, c'est plutôt analogue au rêve lucide. So really, it's about training your mind to become aware of dreaming, the awareness of dreaming. Donc c'est vraiment entraîner votre esprit à devenir conscient du fait de rêver. And you can see how empowering that will be because you cannot be harmed when you are aware that you are dreaming. Et vous pouvez voir comment ça peut vous donner du pouvoir parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas être blessé quand vous rêvez. It also relates to the last question that we had before the break. Et ça ramène de nouveau à la question qui a été posée juste avant la pause. While death seems to be an activity or an action within the dream, Là où la mort semble être une action ou une activité à l'intérieur du rêve, then you cannot escape from it. Alors vous ne pouvez pas en échapper. And you can never understand it. Et vous ne pouvez jamais la comprendre. So we can never understand why anyone dies. Donc on ne peut jamais vraiment comprendre pourquoi qui que ce soit meurt, quelque personne que ce soit. But when you clean the filter of your mind and you allow the spirit to dissolve away the ego. Et quand vous nettoyez la lentille de votre esprit et que vous permettez à l'ego de se dissoudre. Then the death wish has been healed and you see the world differently. Alors le souhait de mort a été guéri et vous voyez le monde différemment. So that's really our purpose for joining is coming together to have that healing of the mind. Et donc c'est vraiment notre but pour nous joindre tous ensemble, c'est vraiment venir dans cette expérience de la guérison.